soulagé. Et moi, je crois que chaque fois que je mets le pied à Saint-Louis, je ressens du plaisir. Vous savez pourquoi? Le premier à m'avoir sélectionné en équipe nationale, c'est Fofana. Le premier à m'avoir sélectionné avec la sélection d'Afrique pendant le jubilé de Salif Keita, c'est Fofana. Donc quand je viens là, je trouve que du plaisir. Et vous avez vu, c'est ce moment qui m'est aujourd'hui. Moi, quand je vois Yatma, j'oublie mon pied gauche. Hein? Quand je vois Amaré ici en tant qu'ancien sélectionneur, moi je me dis vraiment, je suis comblé. Et je ne vais pas regretter. Ouais, je n'ai pas du tout regretté le fait d'avoir choisi Saint-Louis comme deuxième ville pour abriter la poule. Merci les gars, merci Bonou. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci les gars. Et je félicite et j'encourage aussi les équipes de Saint-Louis. Moi, j'ai été impressionné, je ne savais pas qu'il y avait ça. Ensuite, l'équipe des HL, moi, je n'attendais que ça. Et c'est la première fois que je me déplace pendant tout le tournoi pour venir voir. Et je crois que les entraîneurs, les sélectionneurs nationaux ont bien fait, au moins de deux, je crois, ou trois jours dans la présélection. Et je crois que ce n'est pas encore fini. J'ai vu d'autres aussi, et je crois que je vais discuter encore davantage avec eux pour leur dire que, les gars, il en reste encore. Et ce que je vous propose, ils sont là. Il faut qu'ils fassent une sélection régionale. Vous allez faire entre vous, les quatre entraîneurs. Vous allez choisir les meilleurs. Vous allez jouer contre les champions du Sénégal. Là, au moins, on pourra peut-être voir quelqu'un qu'on avait déjà oublié. Et ce que j'ai vu, le gardien quand même, ça, moi, on m'en a parlé de lui, mais j'ai vu moi-même de mes propres yeux. Je crois que peut-être, s'il continue comme ça, il a des chances encore hein, d'intégrer l'équipe nationale. Moi, je dis vraiment, Saint-Louis, c'est ma deuxième ville. Quand je suis là, c'est du plaisir. C'est tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Le tien ou Dieu, moi, j'aime bien. Ouais, mais, du Satayal, je sais que j'ai pas failli. Je savais pourquoi j'ai choisi Saint-Louis comme deuxième ville. Il y a même des gens qui ont critiqué pour nous dire pourquoi Saint-Louis. Mais je savais qu'il y avait un potentiel qui est là. Et je crois que ce potentiel-là, j'ai vu aujourd'hui ce qui s'est passé. Même à travers l'organisation. On n'en a pas à Dakar. Ce qu'on a vu aujourd'hui, moi je ne l'ai pas à Dakar. Et j'ai été impressionné. Et puis, quand j'ai vu Yatma, et je vois encore Amara, il n'y a plus rien à faire ici. Je pouvais même rester à Dakar. Et ça, c'est un plaisir. Nous n'avons pas à Dakar, on n'a pas à Dakar, à Mouniouko. Ancien international de place, à part Léopold Diop que j'ai récupéré, je ne peux pas me déplacer ouvertement. Moi, je suis un homme qui a été fait. Alors, je vais vous remercier, surtout la presse. Vous avez joué un rôle extraordinaire. Madame Lenne Fétan, qui est Internet. Je regarde dans TV, on a dit qu'on ne vient pas. Donc, moi, je vous encourage. Parce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez. Mais Saint-Louis, si on encadre les clubs qui sont là, et c'est une occasion aussi de remercier le président Dia qui a mis ses sous à la disposition des clubs. Nous avons Khalis, Dia Dia Ital, Dia Ital. Ça c'est très important aussi. Ce qu'il fait, c'est qu'il y a un défi. L'église, sous Saint-Louis, Mouch, m'a encouragé et dit vraiment, ils sont braves. C'est une grande chance. Je suis là. Et vous allez voir que pourtant c'est à haut. Mais faites patient dans la vie. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Voilà.